Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible avec soi-même? Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et nous, on arrive à la fin de cette première saison. Merci infiniment pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à chacun des épisodes. J'ai lu tous vos messages et ça fait vraiment chaud au cœur d'apprendre que les témoignages des invités vous ont inspiré, vous ont aidé à traverser vos peurs ou ont permis de vraies prises de conscience. Pour continuer à faire vivre l'aventure, vous pouvez noter le podcast sur Apple Podcasts et le partager sur les réseaux sociaux. Pensez à nous taguer, ça nous fait toujours plaisir. Et enfin, je vous rassure, on compte pas s'arrêter là. On vous prépare plein de surprises pour les prochaines saisons et ça se passera sur notre Instagram @wakeup-io. Suivez-nous, ça s'annonce assez fou. Pour clôturer cette saison, je reçois une femme qui m'a énormément touchée. Il s'agit de Magda Hollander-Lafont. Magda a 92 ans et elle est une des dernières survivantes de la Shoah. Son discours est profond, poétique et mérite d'être entendu partout en France et dans le monde. Installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Magda Hollander-Lafont. Magda, merci infiniment de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Vous êtes née le 15 juin 1927 à Zaoni, un petit village à la frontière de la Hongrie et de la Slovaquie. Vos parents n'étaient pas pratiquants. Vos grands-parents maternels, eux, oui. Et en particulier votre grand-père, Samuel Klein. Les Klein se réunissaient le samedi, et c'est là que vous avez pu observer quelques traditions juives. Quels souvenirs avez-vous de votre enfance? De mon enfance. De mon enfance, j'ai un souvenir de grand silence. On ne parlait pas beaucoup. Je venais de me souvenir, et c'est jamais trop tard, vous voyez, j'ai 92 ans, que peut-être je me suis accordé un souvenir qui est remonté. C'est que mon père, je ne parle pas dans mon livre. Il était absent de ma mémoire. Et que subitement, comme il y avait un relâchement intérieur, et j'ai laissé monter sa mémoire. Sa mémoire, c'est que chaque fois quand j'allais à l'école, il ne m'a jamais demandé quelle note j'avais. Il m'a toujours demandé, Magda, est-ce que tu as pu poser de bonnes questions. Bien sûr, j'ai répondu que non. Alors, il a essayé de me faire comprendre la question en me posant des questions et pas en me le donnant, la réponse. Donc, il a... Et j'étais très furieuse contre lui. Parce qu'il ne m'a jamais demandé si j'avais de temps en temps de bonnes notes quand même. J'avais de temps en temps des bonnes notes et je voulais qu'il le sache aussi. Mais il ne me l'a jamais demandé. Alors ça, là, je l'ai mis de côté. Et en plus de ça, il y avait un grand silence à la maison. Et je ne comprenais pas ce silence. Donc heureusement que j'avais l'arbre à qui parler. L'arbre? L'arbre, oui.
Ah oui, j'avais dans le jardin un très grand arbre. Et c'était mon compagnon. Et le silence, je ne comprenais pas. Nous étions, ma mère et moi et ma sœur, la vie devenait très difficile parce que les Juifs étaient démunis de tout au fur et à mesure. On nous a enlevé la maison, on est allé dans une autre maison. C'était incroyable. Et on ne parlait pas. Nous, par on, je n'aime pas le on, nous ne parlions pas. Ma mère non plus, mais je voyais que ma mère ne portait pas lourdement ce silence. Donc il y avait un accord probablement entre mon père et ma mère, et elle était au courant, mais ça n'a pas déteint sur nous, sur moi. Je ne pouvais pas parler à la place de ma sœur. Et j'ai compris, en me souvenant de mon père, qu'il a fait la résistance. Il était dans le Bund. Et qu'on ne pouvait pas parler parce que notre vie était en danger. Et je me suis rendu compte que les questions m'ont tellement été imprégnées, j'étais imprégnée des questions, et que même dans les camps, je me posais des questions. Et chaque fois que vous vous posez des questions, c'est que vous existez. On ne pose pas la question à quelqu'un inexistant. Mais je ne mesurais pas. Et dans les camps, je me posais beaucoup de questions. Alors justement, votre vie bascule en avril 1944. Vous avez alors 16 ans et vous êtes déporté à Auschwitz-Birkenau. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous raconter cette arrivée dans le camp où quelqu'un vous a soufflé « Il faut que tu dises que tu as 18 ans ». Quand nous sommes arrivés à Birkenau, c'était la lumière, il y avait une lumière qui incroyable qui vous écrasait. C'est une lumière écrasante. Et puis le chien qui aboyait et qu'on nous séparait en deux, les femmes et les hommes. Mais je faisais tout parce qu'on nous a dit que nous allions travailler. Donc toute cette déportation était basée sur le mensonge. Donc qu'on nous séparait, je le faisais tranquillement. Et en nous séparant des anciens qui dégageaient les... là, en ce moment, vous voyez, même j'ai beaucoup de mal à le dire, les wagons bestiaux dans lesquels nous étions rassemblés, pas rassemblés, mais les uns sur les autres, en descendant. Je crois que les anciens déportés voyaient des plus jeunes. Et je crois qu'ils sont passés devant nous en disant « Tu as 18 ans, tu as 18 ans. » Je n'ai pas compris pourquoi c'est 18 ans. Moi, j'avais 16. Et il est revenu plusieurs fois et j'ai vu qu'il parlait sans faire bouger les lèvres. Donc, ça veut dire qu'il risquait sa vie. Plus tard, j'ai compris ça, mais au moment pas du tout. Et quand je suis arrivée face à Mengele, il était là devant moi avec un petit bâton, toute mince. Et j'ai compris que de ce petit bâton dépendait notre vie. Droite, aller droite ou à gauche. Et il me demandait quel âge j'avais. Alors j'ai répondu 18 ans, avec une aisance incroyable. Je me suis même surpris moi-même
J'avais déjà 18 ans. Elle m'a dit à droite. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ma mère et ma soeur étaient à gauche. Et je n'ai même pas dit au revoir parce que je pensais qu'on allait se retrouver. Et j'ai failli dire à ma mère de rentrer dans des voitures où il y avait des croix rouges. Et les croix rouges étaient pour moi, c'est pour aider les autres. Mais je n'ai pas dit. Et surtout, je me suis dit, mais je n'ai même pas dit à maman, comme elle était fatiguée, de monter dans la voiture. Donc, on ne s'est même plus revus, ni ma sœur, ni ma mère après. Donc, elles étaient disparues tout simplement. Et moi, j'étais ébahie, vous n'imaginez pas. C'est ébahie de subir tout ça sans rien comprendre. Et quand je suis rentrée dans les baraquements, j'ai demandé au capot où étaient ma mère et ma sœur. Et il m'a dit, regarde dehors, la flamme, ils sont tous dedans. Alors là, vous savez que si vous réalisez vraiment profondément cette réalité, vous devenez fou. Et je pense que nous avons en nous, en chacun de nous, une défense, des bonnes défenses et pas juste des défenses. Ça dépend de quelle défense il s'agit, mais là c'était une défense de vie. Sinon, je crois que j'aurais pu. Je sentais bien à ce moment-là qu'il fallait très peu. J'avais 16 ans, mais j'ai senti qu'il fallait très peu pour rentrer dans la folie. Que vraiment très très peu. Vous vous êtes protégée dans un sens? Comment est-ce que vous vous êtes protégée? Bon, je crois que nous avons en nous, nous avons chacun de nous une intuition énorme. Mais souvent, nous le raisonnons. Et je crois qu'en suivant naturellement, je n'ai même pas réfléchi. Et au moment même, je n'ai rien compris. D'ailleurs, on n'avait pas le temps de chercher d'où ça venait. Donc, voilà. Comment s'est manifestée cette intuition qui vous a guidé dans les camps et qui vous a peut-être même sauvé? Comment se manifestaient mes intuitions? Je vais vous raconter un événement, parce que c'est vraiment un événement. C'était au mois de août 44. Nous sortions de baraquement après-midi. C'est totalement étonnant de sortir après-midi. Normalement, c'est le matin. Et j'ai senti ça, que c'est pas juste. Et je crois qu'enfant, j'étais très jeune, j'étais très observatrice. Et j'ai regardé le dos de mes compagnes. Je n'ai pas vu la mienne, le mien. Et j'ai vu que ses dos étaient courbés. Et j'ai vu que les jambes ne les portaient pas. Oh, je me suis dit ça c'est le... Nous allons en chambre à gaz. Ça, c'est pour nous. Et j'ai observé qu'on nous comptait 5 fois. Et la 5e fois, les SS remontaient. Et moi, j'étais au milieu. Donc, j'avais quelques secondes de quitter notre rang, où c'était 5 par 5, d'aller de notre côté où le baraquement, ils étaient aussi ouverts, aussi dehors. Et j'ai vu ça. Et je ne sais pas, j'ai été poussée à l'intérieur. Magda, tu as une minute, tu dois aller dans l'autre.
parce que j'ai senti à l'intérieur que il fallait que j'y aille. Je n'ai pas raisonné. C'est, vous ne raisonnez pas, vous suivez une intuition et vous êtes poussé. J'étais comme quelque part poussée vers l'autre. Et je me suis dit, en faisant ça, que même si on m'attrape, au moins, je vais mourir pour quelque chose. Là, je mourrai pour rien. Et là, je vais mourir pour une raison. Donc, j'ai filé. Et en effet, notre grand de l'autre côté partait à Francfort sur le Main pour bâtir une piste d'atterrissage pour les bombardiers allemands. Et l'autre, bien entendu, en partant, on l'a vu qu'en effet, ils sont disparus. Donc vous voyez avec quelle aisance 1000 êtres humains disparaissent. Pourquoi ? Pour rien. Uniquement parce que vous êtes juif. Uniquement parce que vous êtes chrétien. Uniquement parce que vous êtes, tout simplement. Donc ça veut dire que l'être humain n'a plus de sens. Et là, j'étais sauvée. Et en quittant Birkenau, j'étais dans cinq lieux différents. J'étais, premièrement, on allait à Francfort sur le Main. Oui, à Francfort sur le Main, nous sommes restés peu de temps. Nous sommes arrivés au mois de... C'était en août, septembre, octobre et novembre, 3 mois, pour bâtir une piste d'atterrissage. Et nous étions dans une grande forêt. Et que je l'ai retrouvé après, je suis retournée là-bas pour retrouver les lieux plus tard. Voilà. Dans votre livre et dans vos discours, quand vous décrivez ces camps, vous parlez de l'horreur, bien sûr, mais vous parlez aussi de la bonté des hommes dont vous avez été témoin. Un gardien qui vous frictionne les pieds et qui vous offre de nouvelles chaussures. C'est sûr, c'est certain que aussi bien à Birkenau, qu'il y avait ces gestes. On n'a pas jamais pu tuer dans l'homme cette étincelle qu'il y a en chacun de nous. Et vous racontez aussi l'histoire bouleversante d'une mourante qui vous a offert quatre petits bouts de pain. Ça veut dire qu'on m'a volé mes chaussures. Au mois d'octobre, quand on vole les chaussures, c'est on vous vole la vie. Comme quand vous volez du pain, vous volez la vie. Mais nous n'avions déjà plus conscience de tout ça. Et voilà, je n'avais plus de chaussures. Alors j'ai déchiré ma robe pour mettre autour de ma... on a fait des lacets et puis on a... Et puis... Je crois qu'un gardien a vu. Et un jour, un matin, il faisait très froid. On avait une petite robe et simplement, sans rien oublier, il a hurlé sur moi. Et c'était un gardien d'une laideur dont j'avais peur. C'est le gardien dont j'avais le plus peur. Il était laid, que vous ne pouvez pas imaginer la laideur pour moi. Et j'ai eu vraiment très peur. Et il me poussait en criant sur moi. Et en me poussant, il m'a poussé devant un foyer où il se chauffait les mains. On appelle ça un brasero. Et il y avait à côté de ça un tronc de bois où on peut s'asseoir. Il m'a fait asseoir là et il avait un grand sac. Il a sorti une paire de galoches et des papiers de journaux et il m'a chaussé mes pieds. Toujours en criant sur moi et à quel point il risquait la vie. Voilà quelqu'un qui a osé désobéir, risquer la vie
pour me sauver. Et à partir de là, je n'ai plus jamais vu lait. Je n'ai vu que le geste qui était là. Il nous conduisait au travail, mais je n'avais plus le même regard sur lui. Qu'est-ce que ces gestes, ces souvenirs que vous nous racontez veulent dire aujourd'hui pour vous ? Ça veut dire que ces gestes-là qui veulent me dire aujourd'hui, ce que veut dire que ces petits gestes-là, des petits gestes-là, peuvent nous sauver la vie. Un regard, un geste, tout simplement ça, peut sauver quelqu'un. Ou un geste sur les mains, sur l'épaule, la manière dont vous le faites, ce geste. C'est sauver une vie. Ce sont des petits riens qui peuvent sauver les vies, mais pas les grands choses. Des tout petits riens. Mais ce sont des merveilles. Ça vient des intuitions, ça vient de ce meilleur qu'il y a en chacun de nous, qui est appelé. J'ai répondu à votre question. Oui. Après les camps, vous racontez le remords qui vous a rongé, la culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres non. Vous écrivez « Mon corps est satisfait, mais l'âme qui y habite est courbaturée, malade. Où chercher ? Comment trouver le remède au mal de vivre ? Quels ont été vos remèdes au mal de vivre, Magda ? Premièrement, c'est de reconnaître que j'avais du mal à vivre. Souvent, nous disons que nous allons très bien. Et je me rends compte comme nous mentons. Et oui, j'ai dit « Oui, Magda, ça ne va pas. » Et tout commence à partir du moment, la vie commence à partir du moment où nous sommes en mesure de reconnaître que nous n'allons pas bien. Tout est ouvert. Mais alors comment ? Reconnaître d'abord que je me reprochais la vie. Magda, tu imagines que 30 ans, depuis 30 ans, tu te reproches la vie d'être vivante. Et tu aimes la vie. Parce que tout le monde venait vers moi, c'est pour moi, j'adore la vie, mais il y a un autre côté, c'était lourd. Et j'ai reconnu en effet que je n'allais pas bien. Et que, plus que ça, c'est un éclair de compréhension, de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est vraiment très clair. Vous n'avez qu'à traduire ce qu'il vous ressentez. J'ai compris que depuis 30 ans, je donnais un immense pouvoir à Hitler sur moi, parce qu'il voulait que nous mourions tous. Donc moi-même, là j'étais moi-même qui me condamnais. Donc j'avais le pouvoir justement de me défaire, de ne sortir de cette condamnation qui n'est pas le mien. Et quand j'ai compris ça, en hébreu on dit un teshuva, ça veut dire un retournement. J'avais en moi un véritable retournement. Je peux, maintenant j'ai le choix. J'ai le choix de continuer à lui donner raison et devenir victime toute ma vie. Ou alors c'est terminé et je me mets debout. Et vous vous êtes mis debout. Et je suis appelée à me reconnaître tout ça et de me tout doucement mettre debout. Et ne, depuis
tout ce travail-là, je me suis plus sentie comme victime, mais je suis devenue quelqu'un qui était responsable de sa vie. Qui est responsable de sa vie, c'est d'accueillir sa vie, qui était la mienne. Et elle n'appartenait à personne, c'était ma vie. C'est quasiment s'approprier sa vie. C'est ce qui est pour nous le plus difficile à le faire. On veut toujours ressembler à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et en voulant ressembler à quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais. Jamais. Et vous vous annulez. Nous nous annulons nous-mêmes. Donc si nous sommes capables de nous annuler, nous sommes capables de nous reprendre. De nous reconnaître qu'en effet, nous ne sommes quand même pas un objet, mais des êtres vivants, et nous avons des tas de pouvoirs, nous, pour mettre au service de notre vie. Et je crois que c'est ça, de cela que dépend demain, cette reconnaissance de soi et le choix. En même temps, il y a le choix. Moi, j'avais le choix. Soit je me contentais de ce que je vivais, soit alors je me levais. Et cette, en même temps, c'était le moment justement où Darquet de Pellepoix a décrété qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. C'est lui qui déportait les Juifs de France. Nous étions tous des poux. Oh, c'est pas possible. Si je suis un poux, c'est que vous êtes un poux. C'est que l'univers est un poux. Alors je me suis mis vraiment en colère. J'avais la même colère que quand on m'a déporté, parce que j'étais très, très... j'étais très violente contre cette injustice qu'on nous impose. Et je n'étais tout le temps en train de chercher la vie, même dans les camps de sortie. Cette injustice-là, mais là, il y a une seconde, c'est invraisemblable que l'univers soit un pot. Et alors que cette nuit-là, j'ai rêvé vraiment un moment où nous sortions de nos baraquements, quelqu'un m'a fait signe, une mourante m'a fait signe, et qui m'a dit, tu dois vivre, tu es jeune, tu dois vivre pour témoigner ce qui se passe ici, pour que ça n'arrive plus jamais au monde. Elle m'a dit 16 ans. Oh, mais j'étais... Je me dis qu'elle est folle, parce que je vais mourir 5 minutes après. Et elle a tout doucement ouvert sa main. Ça, je dois dire toujours la même chose, mais je le dis vraiment avec bonheur la même chose. Elle a ouvert sa main, parce que vous savez que quand vous êtes à la fin de votre vie, votre vie, corps est déshydraté, vous ne pouvez rien avaler. Et il a gardé dans le creux de sa main 4 petits bouts de pain. C'était des petites miettes de pain, des petits bouts de pain, qui même commençaient à devenir, moisi. Il a ouvert, mais... Elle a ouvert sa main et quand j'ai ouï ça, c'est comme s'il y avait 4 étoiles dans le creux d'une main. Mais dis, mange-le. Alors bien sûr que j'ai mangé ce pain-là. Mais je n'ai rien réalisé à ce moment-là. J'ai réalisé en moi simplement une lourdeur. Et là, dernièrement, j'ai compris que je dois œuvrer.
que cette prise de conscience m'appelait à témoigner. Jusque-là, je n'ai rien dit. Parce que je ne pouvais pas. C'est cette colère qui vous a fait sortir du tunnel. Cette immense colère qui a fait sortir ça là. Et surtout les colères pour moi, c'est les colères, c'est la vie. Vous êtes en colère parce qu'il y a une injustice. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'on était en colère. Mais regardez bien qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère. C'est que derrière les colères, il y a une grande souffrance. Quand nos enfants se mettent en colère et nous-mêmes nous mettons en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en nous-mêmes. Et nous avons cherché d'où vient cette colère subitement qui te submerge. Soit tu te laisses submerger et tu ne fais rien, soit alors cette colère-là est en prendre en compte et œuvrer pour. Et alors là, j'ai décidé de témoigner. Mais comment ? Comment témoigner ? Comment transmettre l'intransmissible pour ne pas alourdir, pour écraser l'autre finalement. C'est parce que quand j'avais le choix de quand on c'est irracontable, c'est pas possible, donc c'est pas possible. On va y venir, mais avant, vous parlez de cette douleur que vous avez enfouie, et vous aviez cette blessure hongroise qui était profonde, douloureuse, au point d'en oublier votre langue natale, votre... Ah mais oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, dernièrement encore, j'ai retrouvé mon ami hongrois, et puis... Subitement, j'étais chez des amis et le jardin était magnifique. Et qu'il y avait une fleur que j'aimais beaucoup en Hongrie et qu'il y avait dans son jardin. Et je le dis en hongrois, cette fleur. Et je n'arrivais plus à trouver le nom en français. Vous voyez ? Mais la langue hongroise est une très belle langue. Mais je crois que j'étais tellement traumatisée. Parce que nous sommes tous des traumatisés. Oui. Et vous avez réussi quand même à renouer les liens avec votre passé. Vous écrivez « Sans cette pacification intérieure, je ne me serais pas sentie suffisamment libre pour m'inscrire dans mon histoire. Cette traversée m'a demandé une grande humilité et un temps hors du temps. » Exactement. On comprend donc que vous avez réussi à renouer les liens avec ce passé hongrois. Comment êtes-vous parvenu à faire la paix avec cette part de vous-même ? La paix avec la part de moi-même. Je suis retournée en Hongrie. Je suis retournée en Hongrie. Parce que Anne, ma fille Anne, qui m'a beaucoup aidée dans tout ça. C'est Anne, ma fille, qui a écrit en Hongrie, écrit en Allemagne. C'est ma fille qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, qui est là. Allez, maman, nous allons en Hongrie. On y va avec papa tous. Et puis elle a écrit à un historien hongrois qui nous a véhiculés partout dans Hongrie pour retrouver les traces de ma mémoire. Oui, et quand j'ai lu les noms dans le cimetière où il nous a montré, je n'ai pas vu le nom de mes parents. Je dis, c'est pas vrai. Ça veut dire que nous n'existons plus. On a voulu ne pas exister, ça y est, on n'existe plus. Combien l'intuition d'Anne était merveilleuse. Là, c'était Anne. De dire, mais oui, je suis retournée là-bas et j'ai demandé de mettre à la synagogue de où nous habitions les noms de mes parents et ma sœur. Et ça, c'était pour moi, c'était
quelque chose de magnifique. Ils continuent à vivre dans la mémoire. Et c'est pouvoir le faire, vraiment, c'est important. Vous dites souvent, d'ailleurs, je ne réponds pas à un devoir de mémoire, mais je suis avec... Je n'appelle pas ça le devoir de mémoire. Ouais. Le devoir, c'est parce qu'on vous a demandé que vous le faites. Ouais. Vous le faites parce que vous obéissez. Un devoir. C'est dû. Rien ne nous est dû. Rien. Mais c'est... J'appelle ça la fidélité à la mémoire. Et c'est important de reconnaître en nous cette belle fidélité. Mais fidélité pas à l'autre. De tout ce que nous avons absorbé depuis notre enfance. Mais à nous. Nous, toujours en devenir. Toujours en devenir. J'espère que je deviendrai jusqu'à la fin de ma vie. C'est merveilleux le mot devenir. Hein? C'est beau. Nous sommes toujours en mouvement d'eux. C'est pour ça que je me dis toujours, nous commettons des erreurs. Et je me dis toujours, c'est grâce à la compréhension de mes erreurs et à l'enseignement de mes erreurs que je suis là aujourd'hui. Que c'est important, qui m'ont aidée. Quand je suis venue il y a quelques semaines, Magda, vous me parliez de l'importance qu'a joué Viktor Frankl dans votre reconstruction. Ah, ça c'est vrai. En quoi son témoignage vous a-t-il aidé? En quoi son témoignage? Il a écrit son livre Il était psychanalyste, déporté, témoigne. Mm. Et j'ai trouvé ce livre là où je suis allée me reposer, justement. Vous vous rendez compte que j'allais me reposer à un endroit, dans un lieu qui est important pour moi spirituellement. Et puis quand je vais dans la bibliothèque, je cherche un livre et je tire un livre. Et c'était ça. C'est incroyable. Et c'est pas d'histoire, c'est ça. Alors je l'ai lu. Et ça m'a redonné la vie. Il a écrit ça en une semaine, avec des mots tout simples. Qui n'a jamais désespéré. Ah, c'est un livre à lire, vraiment. Et j'ai compris, et il le dit, et je l'ai bien entendu, et nous avons à entendre que à nos souffrances, nous pouvons donner sens. Alors après ça, vraiment, quand j'ai lu ça, que je l'ai relu, il y a toute une révélation. C'est que ça, mais tout ce que nous vivons, ce n'est jamais inutile. Ça fait toujours partie de nous. Et c'est à nous à l'accueillir. Et nous, à nous dégager de ceux qui nous ont alourdis. Et ce qui nous alourdit le plus depuis notre enfance, c'est une manque de reconnaissance. Nous cherchons toute notre vie d'être reconnus. Mais là, vous pouvez courir. Personne ne pourrait pas vous reconnaître, puisque est-ce que l'autre se reconnaît suffisamment pour pouvoir vous reconnaître? Parce qu'on ne peut pas. Vous pouvez reconnaître
que si vous vous reconnaissez. Absolument. Donc appelez l'autre dans la beauté de lui. Commence par votre propre reconnaissance de vous-même. Et c'est pas rien. C'est un chemin magnifique. C'est un lieu d'appel en nous-mêmes, la vie et la joie de vivre. Et je me dis vraiment, nous sommes sur terre vraiment pour appeler en l'autre cette beauté. Mais nous pouvons l'appeler que dans la mesure où nous nous l'accordons. Est-ce que j'étais bien claire? Oui, très. Une chose surprenante qu'on apprend en vous lisant, vous vous êtes tournée vers le christianisme. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Eh bien, c'est, je suis tournée vers le christianisme parce que probablement je sortais de... J'étais pendant 4 ans dans un orphelinat en Belgique. Et 4 ans après, on m'a sorti et puis je suis allée dans un à l'IFCA, ça s'appelle l'IFCA chez les protestants. Et là, j'ai été accueillie par des personnes absolument adorables, qui étaient tout le contraire de ce que j'ai vécu pendant 4 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? On parlait du christianisme. Et là, j'ai trouvé quelqu'un de... une personne qui était absolument adorable. Et je crois qu'en moi-même, je cherchais une famille. Et cette bonté-là, cette authenticité, j'ai observé longtemps avant de lui accorder. Parce que ma confiance, je ne donnais pas du tout. Longtemps, j'ai mis pour faire confiance. Je crois que c'est d'abord à soi faire confiance. Ensuite, on ne demande pas à l'autre de vous en faire. Donc, cette femme-là était tellement bienfaisante, mais ce n'était pas quelque chose de pas un comportement supérieur. Ou, je sentais le vrai. Ah, mais j'ai attendu longtemps pour... C'était le vrai. Et puis je lui ai demandé ce que signifiait cette croix qu'elle avait autour du cou, dont nous avions tous très peur en Hongrie, parce que tous les ventredissants, j'ai assisté moi-même un ventredissant, parce que tous les Juifs se tairaient chez eux le ventredissant, et j'ai désobéi aux parents et je suis sortie pour voir tout près ce qui se passait. Et j'ai vu que les chrétiens qui sortaient de l'église battaient les Juifs avec la même croix devant laquelle elles priaient. Ah, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'en avais peur. Alors je lui ai demandé. Donc elle était très pédagogue avec moi parce qu'elle a fait ça très gentiment. Et finalement, ce qui m'a retourné, c'est une des paroles d'Évangile. J'avais faim et tu as... C'est un Matthieu 25. J'avais faim et tu as mangé. J'avais soif, tu avais... Je donne à boire. Tu étais nu, je t'ai vêtu. Et alors je dis, c'est ça. C'est quelqu'un que j'ai envie de connaître. Vous voyez comme c'est étonnant la rencontre, la connaissance de quelqu'un. À travers un petit passage. Et ça fait en moi beaucoup de chemin. Si c'est ça. Et bien sûr que j'ai vu le contraire. Eh bien, je suis bien à l'intérieur de l'Église, mais je suis très... Je manifeste quand c'est pas juste. Parce que quand vous abandonnez vos racines, vous vous desséchez. D'où vient qu'on a peur, qu'on ne dit pas que Jésus est un juif.
à ce qu'on a honte, la judéité d'un quelqu'un, devant qui tout le monde se met à genoux. Mais c'est une aberrance. Et c'est un juif. Donc toute cette dimension spirituelle, elle vient là-bas parce que c'est eux qui ont reconnu l'unicité de Dieu. Et c'est quelque part où on en veut. Donc, peut-être on attend cette fois-ci de l'Église d'être plus proche. Il y a une grande montée d'antisémitisme en ce moment et je bouge beaucoup contre ce silence et je trouve vraiment des belles ouvertures. Je trouve vraiment des belles ouvertures parce que si l'Église n'accompagne pas ses frères aînés, ses racines, il irait devant le mur. Ça s'appelle solidarité. Oui. Sinon, on n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que vous écrivez hein, dans votre livre, comme quoi j'adore cette phrase. C'est quelqu'un que, quand vous parlez de Jésus, vous dites, c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. Je trouve ça très beau. Mais vous écrivez qu'effectivement, il y a certains dogmes ou certaines règles de l'Église qui vous déplaisent, certains appels. Oui, oui, oui. Qui vous dérangent. Ah, absolument, absolument. Et je le fais très tranquillement. Et d'ailleurs, le 15, ce mois-ci, on va se retrouver autour de Dreyfus, à Rennes. Je vais y aller aussi. Ah, mais il faut être là. Donc, moi. On me dit que je suis un juif baptisé. Je ne suis pas un juif, l'autre mot, converti. Parce que je n'ai pas abandonné mes racines. Après les camps, vous vous êtes formé pour être psychologue pour enfants? Et vous œuvrez aujourd'hui à sensibiliser les jeunes, en témoignant, dans l'idée de transformer cette mémoire de mort en appel de vie. Comment faites-vous pour éveiller les consciences aujourd'hui? Comment réveiller les consciences? D'abord que vous en ayez conscience, que c'est important. Qu'est-ce que le conscience? Le conscience, c'est quoi? Quand j'ai commis une erreur, je peux vivre cette erreur comme une faute et donc je ne peux plus bouger. Mais quand je vis cette erreur où je reconnais l'erreur que j'ai pu commettre, donc il m'est ouvert de le pouvoir le changer. J'ai le choix. Je reviens toujours le choix. Et à propos de quoi je dis ça? Comment est-ce que vous faites pour éveiller les consciences? Donc, je suis là pour éveiller les consciences des enfants. Comment? Par des questions. Ce n'est pas en disant ce que tu dois faire. Et tu fais ça. C'est un ordre. Et tu me le dois, ça. Mais je lui demande, vous êtes important. Et que vous êtes unique. Et que votre vie est merveilleuse. Et demain dépend de chacun de vous. D'être vigilante et de ne pas dire oui quand vous pensez non. Quand vous pensez non, non, je ne comprends pas. Et surtout quand vous dites je ne comprends pas, ne croyez pas que vous êtes idiot. Vous êtes très intelligent. Parce que celui qui est capable de dire que je ne comprends pas, c'est qu'il est conscient, qu'il ne comprend pas.
Ça m'a revenu que mon enfant, quand j'étais enfant, que m'est revenu quand je ne comprenais pas, il fallait dire que je ne comprenais pas. Grâce à votre papa. Exactement. Et je me suis même dit que finalement, peut-être si j'ai survécu aussi, c'est grâce aux questions, grâce à cette présence. Parce qu'il était plus présent de nous que s'il avait déployé de nous donner tout ce qu'il fallait. Les questions, tu poses une question à quelqu'un que tu estimes. Mais nous avons tous peur des questions. Je vais être pas intelligente. Je vais pas poser une question intelligente. Je suis bête. On va trouver contre nous-mêmes une série d'horreurs et que nous-mêmes nous décourageons. Alors je leur dis, vous découragez vous-même. Hein. Si vous pouvez vous décourager, c'est que vous pouvez vous encourager. Alors allons-y. Et quand ils sortent, il y a Marie qui est avec moi. Vraiment, ils sont heureux. Et Yuen vient vers moi. Vraiment, on voit. Vraiment. Et que vous avez en vous des merveilles, des dons magnifiques. Alors, je parle avec eux des qualités. Mais Magda, nous n'en avons pas. Mais comment? Qu'est-ce que nous transmettons, nous, adultes, pour que nos enfants puissent dire qu'ils n'en ont pas de qualité? Quel regard portons-nous pour nos enfants de demain? Oh, les aider à comprendre, ils sont magnifiques. C'est ça, je crois, que nous sommes là chacun pour apprendre le meilleur de l'autre. Et il y en a à l'appel. Vous écrivez « Dans les fissures de mes blessures, j'ai essayé de faire pousser la vie. Y suis-je arrivée ? Diriez-vous que vous y êtes arrivée, Magda Hollander-Lafont ? » Non. Le mot « arriver » n'existe pas pour moi. C'est à supprimer de votre vocabulaire. Je peux arriver pour réussir un problème de maths, mais la vie, non. Ça ne s'est jamais arrivé. Nous sommes toujours en chemin. Jusqu'au bout. Et c'est ce chemin-là que nous avons appelé en chacun que tout est possible, même l'impossible. Et ça, j'en ai certitude. Merci. Merci infiniment à Magda Hollander-Lafont pour cette conversation et Marie Clinchard de nous avoir reçus deux fois à Rennes pour préparer cette interview. On se quitte pour quelques semaines et le mieux pour rester en contact, c'est sur Instagram @wakeup-io et sur mon compte personnel @anaisraoux. Merci encore d'être là, on se revoit vite en compagnie de nouvelles personnalités humanistes. Ah, et si vous souhaitez aller plus loin dans votre introspection ou que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, on a créé chez Wake Up un cours audio version podcast qui s'appelle « Trouver un métier adapté à votre personnalité ». Vous trouverez toutes les infos sur www.wake-up.io/cours-audio. Je vous y retrouve peut-être.